Alright tout le monde, je suis Jessener. On se retrouve sur la suite de Resident Evil 3. Donc là, il y a Jill qui est en grave état, man, suite à son combat contre Nemesis. Puis, il faut essayer de trouver le vaccin pour, ben, l'antidote pour la sauver. Yeah, c'est une bonne munition. On va checker ça un peu partout autour. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est bon. Donc, le tuyau. Là, on est à l'hôpital de Raccoon City. C'est bon, Jill. On va te sauver. Terrell, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. Merde. J'y vais. Me semble qu'on a pas mal de munitions là. C'est vrai qu'on vient quand même de se battre contre Nemesis, mais avec Carlos. C'est important, on va checker un peu partout autour. Qu'on est chill. Arrête de courir, tabarnak, je vais te tirer dessus. Toi, t'es proche, là. J'essaie de garder mon gun. Des calls ici, man, que vous faites chier. Je pensais pas qu'elle a réussi à ouvrir la porte. Je vais m'éloigner d'eux autres là, parce que les autres, c'est quasiment sûr qu'ils vont se réveiller, peut-être. Ok. Ah, mais Jill en a un! Un passe-partout. Nous, on l'a pas. Fuck. Une mallette là. Ah, la grosse crise de vache. Psh, fuck, ça a pogné le poteau. Je pensais pas que ça aurait fait ça. Reste à terre, toi, tabarnak. Mais il a juste 4 balles. Putain. Bienvenue dans le bureau du docteur Nathaniel Bard. Veuillez indiquer la raison de votre visite via l'interphone. Voyons. Ok, je checkais là s'il n'y avait pas d'autres choses autour. Un lecteur cassette. Est-ce qu'il y a une cassette à l'intérieur? Ah. Note d'une infirmière. Et on peut aller là. Là ici c'est quoi? Ah. Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix non identifiée. Fuck. Oh! Ok, ouais, lecteur cassette. Il faut trouver une cassette. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse la lire. Puis là, faisant lire la cassette, ça va nous donner une, la voix de l'infirmière. On est dans un film de SF ou quoi? Bon, let's go. Merde. Je vais le frapper. Ah, pour des zombies, avance vite, je trouve.
Hey, tabarnak, restez couché, cibol. Chris de vache! Veux-tu rester en terre, tabarnak? Calisse. Ton gosse. Oh, tabarnak, t'es pas sérieux. Voyons, cibol. On se fait donc bien agresser avec lui. Ah, j'ai pas de balle dans celle-là. Toutes les fois qu'on joue Carlos, mon chum, là, on se fait agresser à coups de 6 zombies de la fois. Hey, là, restez couché, j'ai plus de munitions, là, calique, là, c'est plus drôle. Ah, oh, fuck. Mais je vais attaquer, j'arrête pas de faire space pour l'attaquer, pis ça marche pas, putain. Reste à terre, tabarnak! Holy shit, man, ça a pas de sens. Ok, bon, on peut monter en haut là, je sais pas ce qu'il va y avoir en haut. On va aller vérifier autour ici. Attention, ça a l'air qu'il y a plein de monde qui nous saute dessus. Ah merde, c'est fermé. Ok, on peut pas aller là. Ok. Y'a rien autour. Lui, c'est sûr qu'il va se lever de m'amener. Enfin des munitions. Ok, de quoi au fond? Où est-ce qu'on est là? Ok, avant d'aller voir là, on va aller checker dans cette petite porte là. Ah! Le plan d'hôpital. Les archives. La salle du personnel. Le poste des infirmières. Ah ouais, ok, c'est assez grand. Yes! Zone de sauvegarde. J'ai un peu à combiner, mais bon. C'est pas grave, c'est quoi que j'ai aussi quelque chose de serré là-dedans, non? Ok. On va lâcher une petite sauvegarde. Et on va continuer. Nice. Donc on va aller à la salle du personnel. Ça a pas de l'air bien beau par exemple. Ah ouais. Je vais prendre mon gun d'assaut. Note de la direction. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Au vestiaire, chaque jour à la fin. Ok, la clé du vestiaire a disparu. Ah merde. La dernière personne à l'avoir fait tomber quelque part dans la cour. Donc la clé pour le vestiaire, pour la carte d'identification. Ben, d'accès dans le cours. Fait qu'il faut aller dans le cours. Y'a rien ici. Ah, y'a des hunters, man. Fuck. Ah, je peux pas y aller? Ok, ça me plaît, c'est correct. Je m'obstine pas.
Ok, ouais, c'est ici que je suis allé. Je peux casser d'entrée là. Oh merde, ah ouais, y'a des hunters. Merde, je voulais pas aller là. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, je peux plus repasser. Ah, c'est quand même dommage. Asti que j'aime pas l'ambiance de l'hôpital, man. C'est comme le commissariat, man. C'était peur, hein. Ok, là on a trouvé ça. Il y avait quoi d'autre en haut là? Je sais plus. Oui, est-ce quelqu'un qui sait? Ah, il faut la carte d'accès, c'est ça que j'ai pas. Les vestiaires, c'est aux vestiaires que je dois aller. C'est pas ici. Ok. Je dois retourner sur mes pas. Une sauvegarde, c'est pas bon ça. Ça n'est pas bon du tout. Je le savais qu'elle allait se lever plus tard. C'était sûr. Il va y avoir un hunter dans pas long aussi. Ok, bon. Yes, c'est barré. Je suis content. Hein? Ah, la cassette. La cassette du docteur B. A disparu, ok, dans la salle de soins. Salle de soins, c'est direct là. On a un coffre. Mais il faut la carte d'accès. On a pas la carte d'accès. Tabarnak. Je suis en train de bugger dans la porte, tu sais. Bon, chier parce que t'es dessus, genre. Pis il te ramasse là, drette quand t'es dessus, là. Comme moi, je suis en train d'ouvrir une porte, tu sais.
Arrête de bouger! Bon, une grenade. Ah, mais y'a rien là finalement. Là, je suis dans la chambre. Ok, y'a rien ici. Tabarnak, t'es sérieux? Ok, bon, part de ça et ça, y'a rien. Ok, à part là. On peut pas passer là, ok. Mais ça, c'était fait pour quoi? La buanderie, je peux pas aller là, la salle du personnel. Ah oui! Je pense que c'est à partir de là que je peux aller avec la clé. Je me souviens plus. Vrai. Mais je sais qu'il y avait une porte de fermée quelque part. Ah oui, j'ai déjà été ici. Mais non, je suis correct, je pense. Il fallait une clé, hein? Ouais, c'est ça, je l'ai la clé. C'est le fait que j'aille. Ça, je pense, c'est pour avoir la keycard. Ok, je suis passé à avoir attendu un zombie, mon chum. J'étais sûr qu'il était à côté de moi et prêt à me péter. J'étais sûr, je l'avais attendu. Je l'avais attendu, j'étais sûr et certain. Es-tu mort? Ok. J'avais attendu un zombie à quelque part, me semble, un truc de même. Si, j'étais pas sûr que c'était lui qui avait fait ça, là, mais en tout cas, ça sentait pas bon. Ok, bon. Moi, je pourrais manger ça aussi. Tiens. Pourquoi pas. Ça, là après ça, la keycard, je vais pouvoir aller chercher pour la cassette, pour aller voir Brad. Chris, hein? C'est quand même quand même assez long. J'oublie tout le temps aussi que j'ai des grenades. C'est pratique en Chris, ça là. Ok, on va s'en aller tout de suite à courant. Ah! Sauvegarde. C'est sûr qu'il y a Hunter. Il va y avoir des Hunters. Ben tiens, c'est quoi ça? C'est plus gros qu'un Hunter. Ah ouais, ok. Les tortues ninja, man. Ah, c'est pire. J'étais sûr que ça allait arrêter un petit hunter, genre, comme qu'on voit d'habitude, là, avec les petits cerveaux, là. C'est pire que ça, finalement. Ah, c'est pas pire, il donne pas trop des gros coups. Mais ça prend des munitions en crise avant que je les pète. On va les sauvegarder. Ah, c'est rassurant, c'est... On y retourne. Elle était où la keycard? Il y avait une pièce que... La buanderie, on va aller voir. Passer par-dessus, non? Ah, t'es-tu sérieux? Ah,
Je vais garder mon fusil d'assaut pour les grenouilles. Je sais pas c'est quoi le code. J'ai pas lu les documents comme faut. Pas grave. Oh merde, il y en a deux. Ok, attends une minute. Si. Ah merde! Lui il est là, il bougeait pas. Il disait rien. Dans son petit coin comme une merde. Ok. La pièce que j'ai traversée. C'est la salle des soins. C'est exactement là que je dois aller. On va y aller. Mais tabarnak! Ok. Ah tiens, t'as l'autre qui se réveille. Oh mais je vais repasser hein. Y'avait pas une porte aussi qui était au premier... Ah ouais, ok je reviens. Allez chier. Fais chier lui man. Spam dans la face, trou de cul. T'es tout cuit ça? Ce sont les escaliers déjà? Ils sont de l'autre côté. Ici c'est quoi qu'il y avait? Ici il y avait rien, salle du personnel. J'ai quand même essayé d'explorer tous les étages. Et voilà. Aha. Il y a rien ici. Ah. Oh. Oh. Police! Alright, alright. On a des munitions en masse pour aller. Où est-ce qu'on doit aller? Hein? Let's go.
C'était par où déjà? C'était par là. Ah, attends, je peux passer par la porte que j'ai débarrée. Ah, tabarnak! Hey là, calice, là, j't'ai coeuré, calice. Ah, je l'ai tué! Yes! Je l'ai tué sans faire pas exprès. J'suis tellement content. Ça, on n'a plus de besoin. Jeter. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ça. Mettre un raccourci. Hop. Alright, ça s'est bien passé. Là, il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir encore d'autres tortues un peu partout. Là. Ben, ça ressemble plus à des grenouilles. Là. Ah, je décolle ici. J'ai oublié que je vais passer par là. C'est sûr. Oh ouais. Alright. Ah mais je peux revenir, il y avait des trucs dans ce casier là pis tout. On revient-tu ou je suis pas sûr, c'est pas. C'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles. Bien sûr que j'ai des relations au placé. Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement. Alors me faites pas perdre mon temps avec vos questions indiscrètes. Je vous demande pardon, docteur. Vous n'avez pas lu les documents, n'est-ce pas? Non, je les ai détruits à votre demande. Bien. Bien. Si c'est tout, vous pouvez retourner torcher le cul de vos patients. Il y a bien un trou de cul. C'est pour ça qu'on vous paie, non? Waouh. Et astiquez mes chaussures. Bien, monsieur. Je suis sûr que vous êtes doué pour astiquer, non? Dégagez. Et dites pas un mot à qui que ce soit. Waouh. Quel enfoiré. Ouais, moi aussi. Ça j'ai pensé. Bard. Merde. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, bah trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Ouais. Ok. Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon
employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Ouais. Le gars il travaille pour Umbrella puis finalement... Yes. Tiens bon Jill. J'arrive. Ouais, let's go vite. Tyrell, je l'ai. Bien joué, je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais, t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Ma vie était pleine. Ma vie était pleine, non? Ah, pis ça allait tellement bien. J'arrive. Ok, fuck it. Bien joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais, t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Ok, je voulais esquiver, mais c'est bon. Alright. Tiens. Tout va s'arranger, Jill. Ah, ok, ouais, c'était pour lui donner le vaccin. Ah, ouais. J'ai des balles là, mon pistolet il est full. J'ai plus de grenades par exemple. On va sauvegarde. Oh, on y va, let's go. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital.
Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Merde. Je vais essayer. Ok, je peux me mettre où le détonateur, mettons? Oh merde! Oh non, pas lui! Ok, attends, c'est quoi? Je dois chercher quelque chose. Je suis en train de mourir. Ils sont tous arrivés en même temps là, d'un coup là. Oh merde, j'ai plus de munitions du tout. Ok. Oh merde. C'était mon inventaire, je voulais faire, désolé. Oh, lisse! T'es-tu sérieux? Arrête de les lancer dans...
Ah, j'en ai plus. Ok, nice. Je les ai arrachés toutes les trois. Si, trois grenades j'avais. Yes! Wow, c'était serré, man! Oh merde! Ok! Tabarnak! Carlos, est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Mais au moins, c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part? Ouais. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent au bout. Ils l'ont laissé dessus. Jill. Ah. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre ? Évacuez immédiatement. Je répète, non. Évacuez immédiatement. C'est impossible. Ce qui n'est pas un écartier. Merde. La chambre d'hôpital. Donc, et voilà. Donc, d'après moi, c'est avec Jill qu'on va pouvoir aller débloquer dans le fond là, les coffres plutôt qu'on a trouvé avec son les petits crochets. Donc, nous, on se retrouve pour une prochaine épisode. On va faire une petite sauvegarde. Donc, restez à l'écoute pour la suite. À la prochaine. Ciao.